Mon équipe en première mi-temps, euh, bien dans l'organisation, pas assez dans la projection vers l'avant, parce que si on parle d'une organisation comme chaque équipe, à un moment donné, il faut oser aller mettre la pression, essayer de sortir. Euh, on a laissé beaucoup trop de liberté à Balanta en première mi-temps, ce qui n'était pas le but. Euh, on a rectifié ça au repos et on a vu que le standard en deuxième mi-temps était, était nettement meilleur et se créait plus de possibilités de but. Euh, on, sait, on savait que ce sera mal difficile euh, parce qu'on joue contre la meilleure équipe de Belgique, ça on le sait depuis longtemps. Tout le monde est d'accord pour le dire, mais la mentalité a été parfaite. Euh, donc ça veut dire que mes joueurs m'ont montré aujourd'hui qu'ils étaient capables d'amener cette mentalité. Il faudra qu'ils le fassent lors de chaque rencontre dans le futur. Et ce genre de match où c'est disputé, haché à certains moments, c'est vrai, mais je pense que c'est des deux côtés, c'est pas seulement d'un côté, il n'y a pas qu'une équipe qui a fait des fautes, je crois qu'elles en, qu en ont fait toutes les deux. Euh, la décision peut tomber sur une phase arrêtée, sur, euh, sur euh, le le geste juste et d'après ce qu'on me dit, bah, la décision aurait dû tomber en première mi-temps sur le pénalty non sifflé de l'arrête parce que tout le monde s'accorde à dire que c'était 100% pénalty. Voilà, malheureusement c'est pas le cas, c'est comme ça.